le département de Thiébissou au rythme de la Noël. 4 localités de ce département ont vécu une fête de Noël inoubliable. En effet, les tout-petits des villages de Koubi, Sidou, Gomizambo et Kondé-Yakro ont célébré le 24 décembre 2022 la Noël dans l'allégresse et la joie à travers l'arbre de Noël organisé dans chacun des villages cités. À travers ces célébrations, Florence Aoutraoré, cadre de Thiébissou et initiatrice de cette tournée de partage, a voulu apporter de la joie aux enfants de ces contrées en leur permettant de vivre la magie de la Noël. Plus de 400 enfants ont reçu des cadeaux des mains de maman Florence Aoutraoré, la maman au cœur d'or. Aux enfants, aux jeunes élèves, filles, je vous en prie, j'ai fait le lycée Profit Gado. N'ayez pas peur, là où vous êtes dans les meilleures écoles. J'ai fait le lycée Profit Gado, aujourd'hui je suis DAF dans une multinationale. Ça veut dire que si vous pouvez faire, FFP, Gomizambo, FFP, Kondé-Yakro, le lycée Profit Gado, vous pouvez être préfet, vous pouvez être ministre. Nous sommes dans sa cour, nous allons nous battre, nous allons nous battre. Nous sommes fous, nous sommes fous, parce qu'on suit ça de près. Le taux de scolarisation, quand tu prends au niveau national, sur 100 femmes, il y a 67 analphabètes. Donc il y a 23 femmes qui sont scolarisées et 67 qui sont analphabètes. C'est faible. Il faut qu'on travaille main dans la main pour que nous puissions rehausser ce taux. Sensibles à cet élan du cœur, les chefs de tribu des différents villages et M. Yao Jean-Aimé Kwasi, cadre de Thiébissou, ont témoigné leur reconnaissance à leurs filles et sœurs de Koubi. Les enfants sont repartis tout heureux en espérant que maman Florence Aoutraoré se souvienne encore d'eux pour la prochaine fête de Noël.